Eh bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette petite vidéo pour vous informer de rendez-vous que j'ai programmé de manière hebdomadaire, de manière bimensuelle. Donc il y a un premier rendez-vous qui démarre le jeudi, donc demain. 2 décembre de 17h à 19h30. Étant donné le succès de mes dessins actifs de l'âme, j'ai mis sur mon site révélercetalents.com en quoi cela consiste. Je me relie à l'âme de chaque personne, elle me donne simplement son prénom. Et donc me viennent des messages, des ressentis, des visions que je dessine le mieux possible. Ce qui m'est venu au fur et à mesure de ces dessins que je fais maintenant depuis 3 mois, eh bien, ça met à jour soit des mémoires de vie, des blessures, des dons aussi. Ça actualise en fait ce qui était profondément caché dans l'inconscient de la personne. Je fais d'abord un premier dessin, je me laisse suivre par mon intuition, par ma guidance. Et ensuite, lors d'un deuxième dessin, il est actif, c'est-à-dire que j'invite la personne à fermer les yeux et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle, dans son aura. Et vraiment, c'est très très profond. J'en suis très très heureuse. Donc je programme cela tous les jeudis. De 17h à 19h30, ça dure à peu près une demi-heure pour chaque personne. Je vous invite à aller voir sur mon site révélercetalents.com, page événements. Il y a la description, il y a des témoignages, il y en a aussi sur ma page Facebook Marie-Pierre Lemayeux. Voilà, donc ça c'est un premier rendez-vous que je propose de manière hebdomadaire. La même chose de manière hebdomadaire, donc le lundi soir, tirage de cartes de mon jeu de cartes Le Féminin Originel. Vous avez aussi des témoignages sur ma page Facebook, donc de 19h30 à 20h30. Là, je sélectionne 3 personnes et je laisse venir par canalisation des messages tout en tirant une carte ou des cartes de mon jeu Le Féminin Originel qui est disponible et qui est en vente sur mon site, sur ma boutique. Voilà, et un rendez-vous bimensuel le lundi de 16h à 18h durant 2 heures, étant donné que purifier son aura, purifier ses mémoires de vie, se libérer de ses blessures, sortir de la résistance au changement, pour s'activer, pour se ressourcer, pour se renouveler au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, au vu de l'actualité, au vu des énergies qui sont de plus en plus fortes, que ce soit dans la mise en lumière des ombres individuelles et collectives. C'est important en fait de se purifier pour pouvoir avancer plus en conscience. Voilà, donc c'est le lundi de 16h à 18h. C'est vraiment pour se libérer des mémoires matricielles prénatales et aussi de naissance. Et donc en fonction des personnes présentes le lundi, eh bien je vais me laisser guider parce qu'à chaque fois c'est personnalisé, hein, c'est du sur mesure. Étant donné que ça fait quand même de nombreuses années, entre 23-24 ans que je fais ça aujourd'hui. En effectuant ce travail intérieur sur moi, je peux mieux aider les personnes aussi à aller voir dans leur mémoire de vie, de se reprogrammer, de se libérer et d'avoir accès à d'autres parties d'elles-mêmes et notamment de se reconnecter à leur âme avec un alignement de plus en plus ancré, de plus en plus présent. En se reliant aussi de manière très simple à sa respiration, à sa présence et à son écoute intérieure. Hein. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, tout cet environnement qui peut être déstabilisant, désécurisant, c'est vraiment essentiel, important d'aller à l'intérieur de soi pour retrouver
une paix intérieure et la diffuser à l'extérieur de soi, retrouver une solarité, rayonner du mieux que l'on peut, hein. Je dis toujours on fait du mieux qu'on peut, et puis vraiment choisir ce que l'on a à choisir en étant positionné soi-même, savoir dire non, savoir trouver sa place, quel que soit le domaine de notre vie. Tout ça, ça aide en fait. Hein. Donc, je vous ai mis un commentaire aussi complet sur les différentes matrices de Stanislas Grove. C'est expliqué donc dans ces mini-ateliers que je propose durant 2 heures le lundi, de 16h à 18h. Voilà, je suis à votre disposition, si vous le désirez, par SMS, par téléphone au 06 88 74 31 84 ou par mail mplemayeux@yahoo.fr. Je fais aussi, bien évidemment, des séances à distance. Que ce soit des soins énergétiques, que ce soit par téléphone, par WhatsApp, des reprogrammations karmiques, prénatales. Allez voir le contrat d'incarnation, avoir plus d'informations sur ses missions de vie, même si la première des missions, c'est d'aimer, hein, de s'aimer soi-même pour aimer les autres. En Inde, il y a un proverbe qui est aussi essentiel, « Aum Tat Swam Asi », qui veut dire « Je suis toi ». Tu es moi, voilà, nous sommes à la fois ensemble, séparés sans être séparés, puisque nous venons d'une même source et nous y retournons à cette source. L'important, c'est de s'entraider, de partager et puis d'aller vers cette nouvelle terre qui est une terre plus consciente, qui se spiritualise. Donc, c'est un accompagnement spirituel que je vous propose, vraiment du sur-mesure. Voilà, et je rends hommage à ce tableau où la femme ouvre la voie dans un champ de blé. Elle se laisse guider et elle nous ouvre les portes. Alors à ce féminin sacré qui est à la fois dans chaque homme et dans chaque femme et à cet électron libre que nous allons de plus en plus manifester. Je suppose que vous avez vu le film Matrix. Le film Lucy, il y a peu de temps, et vraiment ce sont des films qui sont des véritables enseignements sur nous, sur nos vies, sur ce conformisme et ce non-conformisme. Voilà, je vous embrasse bien fort, merci de votre écoute et puis au plaisir de vous entendre, de vous retrouver. Voilà, bonne soirée à vous, je vous embrasse bien fort.